Eh bien, salut tout le monde, c'est LaToQ25, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve jeudi pour un autre avancement dans le serveur Minecraft. Alors, désolé déjà pour la vidéo d'hier qui n'a pas été mise en ligne puisque bah, je n'ai pas eu le temps de la commenter puisque j'étais parti dormir chez un pote. Et maintenant on a fait Halloween. Bref, on s'en fout. Et autre chose. Pour la vidéo d'aujourd'hui, donc le défi spécial 600 abonnés sera fait la semaine prochaine puisque déjà on n'est pas aux 600 abonnés, on est à 598. Et ensuite, deuxièmement. J'ai pas le matériel adéquat aujourd'hui. Donc ça verra, ça sera fait directement. Donc. Alors, donc la vidéo ici, c'est juste une brève vidéo de 5 petites minutes pour vous montrer l'avancement du serveur. Donc on a fait tout ça en hors ligne, je précise, on n'était pas en créatif, on a fait tout en survival. D'ailleurs, je vais vous le prouver après pour la mine, pour toute la cobblestone. Donc vous avez vu que le jardin a été fameusement agrandi. On a donc mis tous des trucs de blé qui sont d'ailleurs presque bien prêts. On a mis de la canne à sucre autour de toute la maison, c'était fait exprès, c'était une bonne idée. Ensuite, on a refait une deuxième muraille extérieure. Alors, pourquoi une muraille extérieure? C'est tout simplement parce que les zombies et tout, ils passaient, ils arrivaient à passer, je sais pas comment ils faisaient, ils passaient la première muraille sans trop de difficulté. Pourtant, d'ailleurs, il est impossible, vous voyez, il est impossible de sauter là-dessus. Et eux, ils y arrivaient, donc je sais pas comment est-ce qu'ils faisaient. Ah bah tiens, je vois de la compagnie. C'est bien, j'ai de la compagnie. Merde, ils sont passés. Voilà. Oh. J'aurais pas dû sortir mal en fait. Il ne meurt jamais celui-là. Je pense qu'on a dû mettre le mode de jeu. Honnêtement, je pense qu'on a dû mettre le mode de jeu en très difficile parce que c'est pas possible. Et voilà, là je suis dans le caca, là je suis dans le caca total. Yes. Donc je disais, c'est un peu chiant parce que voilà, les monstres, je sais pas si on se fait, les monstres ils sont hyper durs à battre alors qu'en facile ils sont super faciles et pourtant on n'a pas changé la difficulté. Donc vous voyez ici, on pense mettre tous les animaux, des cochons et tout. Donc si là, me dire comment est-ce qu'on peut faire un élevage de cochons, parce que les œufs de cochons, on les a pas en mode normal. Il faut être en créatif. Chier. On va peut-être d'abord dû reboucher ce trou-là. Yes, voilà. Donc vous voyez, donc là ici, on a un coffre pour mettre un peu tout ça, tout ce qui est les ressources. Alors, je pense que c'est tout ce que je dois vous montrer. Bah, vite un petit peu la mine en vitesse, un petit chemin. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, on a à manger. Donc on avait tout ça en hors ligne. On fera bientôt un live là-dessus. On fera sûrement ça aujourd'hui ou quoi, si on a le temps. J'espère également que ça vous plaît, que cette série vous plaît. Parce que bon, je sais bien qu'une heure de live c'est un peu long à regarder. Mais dites-moi la durée des épisodes que vous voulez. Si vous voulez des épisodes de 20 minutes, de 30 minutes. Parce que bon, nous aussi, on va filmer après, à chaque fois qu'on va jouer en ligne, on va filmer. Donc là, vous verrez l'aventure complète. Bon, ici, on a juste fait ça en rapide. Enfin, en rapide, ça nous a pris quand même quelques temps. Mais on a fait ça le plus vite possible. On a creusé assez longtemps, qu'on pouvait le voir. Du reste, je pensais trouver des grottes, enfin des cavernes pour avoir plus facilement à creuser, mais on trouvait que dalle. D'ailleurs, vous voyez que là, c'est encore très, 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 très loin. J'ai passé 20 minutes à tout remonter, c'était un peu chiant à la fin. Allez, plus vite, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. J'espère que vous voyez pas en haut à droite les petits FPS en rouge, parce que j'ai refait la vidéo il y a 5 minutes ici en expliquant tout. Il s'avère que Fraps n'avait pas enregistré, j'avais pas compris pourquoi. Bon voilà, vous voyez donc de nouveau ici, là. Ici on arrive à la sortie de la ville, enfin de la ville, de la maison. On a un petit étang qu'on va sûrement aménager, qu'une cabane de pêche ou quoi. Bon attendez, parce que le jeu lui a réglé son compte facilement, allez viens. C'est mon gros. Meurs. Ça l'a pris. Voilà. Ah, tiens, tiens. Et voilà. Écoutez, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vais vite retourner dans la maison pour être en sa fin, la maison. Oh, ben. Au moins. Oh non, pas ça. Ah non, pas ça. Oh non. Vous voyez que c'est pas vraiment mon jour de chance, hein. C'est pas du tout mon jour de chance. Oh, je suis niveau 10.
Hop! Merde. Et chier. Comme quoi, vous voyez que c'est un peu chaud en mode, je sais pas, c'est que le mode difficulté, je vais essayer de le baisser, je vais mettre en facile parce que c'est pas possible de jouer. Je veux bien qu'il y ait des monstres ou quoi, ça donne un peu de challenge, mais là c'est trop abusé. Il y en a toujours des 5, ils viennent parfois par 10 ou 15. Du reste, vous allez voir juste après, je vais vous montrer un screenshot de quelques secondes, vous voyez un squelette qui chevauche une araignée. Le truc qui est tout à fait normal, donc vraiment un squelette en train de chevaucher l'araignée, donc comme un cheval. Alors je sais pas si nous on sait le faire, si c'est le cas, bah, dites-le moi. Écoute, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Soyez au rendez-vous demain à 16h pour la tentative nuque en live, qui elle est déjà programmée, vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Donc j'espère que ça vous plaira, donc dites-moi la durée des épisodes, et moi je vous dis bah, salut tout le monde, et prenez soin de vous, à la prochaine.